Voilà, on s'est réveillé de la sieste du matin. Il est quelle heure? Bah, ça c'est un oiseau qu'on entend. Ouais, ah oui, tu l'entends là? Viens, on va voir. On a ouvert les fenêtres, il fait super chaud. Enfin, il fait pas chaud, mais il fait super bon. Donc, on ouvre les fenêtres et tout carrément. Du coup, bah là, on se réveille de la sieste, on range un petit peu. Il y a mon frère et sa fiancée qui vont rentrer. On va manger, puis après on va aller se balader. Donc voilà, on en profite, je vais garder en écharpe, on range un peu. Et on va aller chercher après des petits animaux à voir, observer, des petits écureuils au parc, tout ça, tout ça. Voilà, à tout à l'heure. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis désolée, je commence ce vlog, il est super tard, il est 13h40, mais sinon voilà, comme il y a de la famille à la maison, je vlog pas beaucoup. On est allé se faire faire les ongles pour Noël, voilà, avec donc Agnès, qui est donc ben, ma belle-sœur, la fiancée du frère de Samuel. Voilà, j'ai les cheveux mouillés, hein, ils ne sont pas sales. Et là, on va passer à table. Samuel a fait un bon chili avec du riz, enfin bref. Donc voilà, je sais pas trop exactement ce que je pourrais vous vlogger cet après-midi parce que c'est vrai que on va travailler, il y a Claire qui arrive à 14h. Même hier, j'ai pas beaucoup vlogué. Samuel, il va aller au parc avec Gaspard, peut-être qu'il vous filmera des trucs. Mais voilà, c'est les derniers jours avant les vacances de Noël, donc il y a plein de choses à faire. Je suis désolée, là, je ressemble à rien. Les cadeaux commencent à se remplir sous le sapin. Et Thomas, il a mis les siens. J'adore, ça reste dans le thème. Doudou, elle est tellement posée là. Ça va mon cœur? Mais il y a Juju qui est là. Juju qui est dans un stress intense. C'est elle qui est organisatrice de l'anniversaire de Gaspard. Tu ne diras rien, chat. Parce que j'ai même pas dit le thème. Mais je dis rien. Ça va être bien. C'est mon premier événement quand même. Bah ouais. Chat, c'est le début parce que si les gens voient que t'as fait un truc très beau, incroyable pour Gaspard. Après, on va te créer un compte Instagram et puis tu viendras faire les anniversaires des enfants, des gens. Oh, il faut qu'on trouve un nom. On a reçu un petit colis de la marque Lililot qui fait des vêtements biochic bon genre, confectionnés donc en coton biologique certifié GOAT. On a reçu ce petit ensemble très très joli avec le gilet, hyper mignon, j'adore la couleur, un peu vert comme ça, les petits boutons en bois. Et le petit pantalon qui est juste ici avec le petit nœud, j'aime beaucoup. Donc ça c'est du 12-18, c'est ce que met Gaspard en ce moment. Vas-y mon petit cœur. Il est en body parce qu'il vient de se réveiller de sa sieste. Et puis on a un petit ensemble également bleu marine qui est super joli, très doux et ça sent, enfin on sent que c'est de la très bonne qualité quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup l'idée avec le petit pull ici. Super, j'ai trop hâte de lui mettre. Donc merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Et je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. C'est l'heure du goûter. Petite Clémentine et papa il fait des pancakes. Des petits pancakes sans lait. Sans sucre et donc sans beurre. Et sans sucre et sans produits laitiers, ouais. Enfin, c'est avec du beurre, mais du beurre végé. Oui, bah, donc pas de beurre animal, juste à des œufs. Mais des œufs qui ne tuent pas la poule. Miam, miam, ils ont l'air trop bon. Moi, je l'ai fait 3 par 3 pour aller plus vite. T'as bien raison, Gaspard, il se régale. C'est bon, mon petit cœur, ce petit pancake crème de marron. Ouais. Et j'ai acheté ça à la Biocop tout à l'heure. Et elles sont super bonnes. On avait goûté celle aux carottes. Carottes cumin. Et là, c'est betterave échalote. Et c'est super bon. Enfin, ça change, je trouve, des petits biscuits apéro. Et la compo est plutôt bonne. Faut le tenir maintenant. Hein, parce que je te dis pas comment il va. Ah attention, attention. Je sais pas si c'est une très bonne idée, hein, les panières. Hein, chérie. Bon, on a pas ça. Ah ouais? Non mais là c'est pour au moins les Attention, attention. Tiens-toi bien mon petit cœur. T'as vu cet ensemble trop mignon qu'il a? Trop mignon. T'es trop mignon mon petit chéri. Tu pousses la Gaspard mobile. Fais voir. Ouais mais il faut qu'il y ait un truc dedans sinon il fait... Hop. Ah, voilà. Bientôt on se referme. Et c'est là que je finirai. Bon, vous retrouvez, il est 21h. On est seul avec Sam. Sam. Voilà, toute le frère de Samuel et sa fiancée sont partis manger chez les parents de Samuel. Et nous, on a profité pour rester tranquille puisque demain on reçoit pas mal de monde. Et voilà, pour Gaspard, c'est vrai que ça lui fait beaucoup là d'avoir
pas mal de monde à la maison, donc il avait besoin de se reposer. Là, il dort depuis un petit moment. Moi, je suis en train de laisser poser un produit, là, enfin le produit Clarins dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, dans le dernier vlog, parce que j'ai une petite poussée de petits boutons. C'est la mauvaise période du mois. Sinon, tout à l'heure, on a trouvé cette carafe. Alors, l'idée, c'est d'enlever la partie en liège que j'aime pas du tout. Enfin, surtout que ça va pas du tout avec la déco de ma table. Mais c'est une Ikea et franchement, elle est super. Elle est très bien. Ça sera parfait. Et également un vase pour mon centre de table. J'espère que ça va aller dans l'idée. Je pense que voilà, je vous montrerai tout ça demain. Samuel, il est en train de faire la liste des choses qu'il y a à faire demain. Et après, ce qu'il faut qu'on fasse demain après-midi et demain soir pour préparer notre départ, parce qu'on part le lendemain, donc ça va un peu s'enchaîner quoi. Moi, j'ai beaucoup besoin de listes et d'ordre et de. Ça t'aide. Ça me rassure. D'ailleurs, je suis un peu en hyperventilation. Mon petit cœur. C'est difficile les départs. Vous savez, dans la vie, il y a plein de choses qui vont pas des fois. Mais quand on prend une petite clémentine. Tout va mieux. Ouais. C'est la saison des clèmes-clèmes. Vidéo sponsorisée par l'association française de clémentine. Non. Non, c'est pas vrai, c'est une bonne. C'est des clémentines françaises. Clémentines françaises bio, très très bonnes. Ouais. Et Gaspard en a mangé deux ce matin. Mais c'était les plus petites ce matin. Mais il en a mangé deux. Il a adoré. Ouais. Il est fun. Il en a mangé deux. C'est un petit gourmand aujourd'hui. Hein. Oui, il a bien mangé. Il a mangé un bol de poivron, genre une part adulte. Bah oui. Et après, au goûter, il a pas mangé grand chose du coup, et ce soir, il a un peu mangé. Non, il a juste été. Il adore cette berceuse, Gaspard. Ah, franchement, je félicite les personnes qui ont créé cette chanson. Je sais pas comment elle s'appelle. Elle s'appelle Marie et Mathilde. Je les trouve très belles. Bon. Bon, je finis ce vlog à l'iPhone le lendemain parce que voilà, ça a été une longue journée et je le monte seulement maintenant. J'espère qu'il vous a fait plaisir, j'espère qu'il vous a plu et puis bah, je vous dis pas à demain parce que demain dimanche il n'y aura pas de vlog. Par contre, il y en aura un lundi. Je vous avais dit que je vloguais pas dimanche, mais comme demain c'est le premier voyage en avion de Gaspard, on va vloguer pour nos souvenirs. Et donc à la place, du coup, il n'y aura pas de vlog dimanche, mais vous en aurez un lundi. Bref, vous suivez. Je vous embrasse. À lundi. Ciao, ciao.